précisément, mais je pense que ça serait dans le milieu de l'enfance. Moi, je sais que j'aurais suivi l'une de mes grandes sœurs. Ça serait dans la comptabilité, c'est sûr. Pat là, tu mets ton steak, on n'en parle plus. Ouais, pas bah, de steak. Enfin, un plat, comme vous dites, un plat, c'est compliqué, je dirais. Enfin, compliqué, non, le mafé. Ah, le plat préféré, bah ça dépend. Un plat français, un plat tout, chaque pays. Waouh, le plat préféré. Du tchèb. Tchèb poulet. Tchèb ou soupe kanja. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est, un, c'est une sauce faite de gambo, assez gluante. Pas très belle esthétiquement, mais au goût, moi j'aime bien. Elle non, par exemple, mais bon. Elle-même, elle sait, j'aime pas. En termes de chaussures, moi c'est Jojo. Il faut une paire de Jordan. Après le reste, on peut s'habiller. Moi je suis plus girly, moi c'est plus une paire de talons. La vaisselle. Ouais, la vaisselle, ça je crois que. Ah ouais, la vaisselle, ça, c'est relou. Sûr, la vaisselle. Je préfère faire le ménage. La famille, je sais pas. Ouais, la bah, dans ce contexte-là, ça serait déjà plus la famille. Ouais, plus la famille. Quand tu vois ta famille, t'es obligé de sourire, rigoler, sauter dans les bras, tout ça. On les voit pas souvent, donc la famille. Si je suis un homme aujourd'hui, bah, vu mon âge, trouver une femme, une meuf, une go, je sais pas, moi, me poser. J'en sais rien. Je sais même pas si ça serait se poser, parce que les gars d'aujourd'hui, ils se posent pas forcément, mais, ouais, mais je pense que tu t'amuserais bien, je pense. Avec ma même mentalité. Ouais, non, je serais posée. Oh, si j'ai cette mentalité là, mais si je suis un gars, je pense que tout change, aussi bien mentalité qu'autre chose. Ah, beaucoup de choses changent. Je sais pas, je me trouverais une go. Enfin, si j'étais dans le basket, je pense que j'aurais un tas de groupies. Alors. Ouais. Et en plus, on va le faire maintenant. Ouais, parce que oui, vas-y, c'est bon. Ça s'appelle du dur. Voilà. Alors, c'est dans ce qui. C'est plus dans les moi c'est plus dans les vêtements que je porte. Je sais pas, ouais, les brassières, les chaussettes, souvent voilà. C'est, les... ouais, c'est vrai, en plus souvent on c'est... s'accorde vraiment, enfin on accorde beaucoup ce qu'on met pour avoir un certain flow, on va dire ça comme ça. C'est ouais, voilà. Si on joue en noir, je sais que j'aimerais ma paire noire, mes chaussettes élites noires. Tout, faut que ça soit accordé. Après, il y a le son, ça. Après, les rituels, c'est des musiques que tu écoutes, tu es dans ta bulle, des choses que tu te dis à toi-même. Voilà quoi. Enfin, si je prends dans le présent, je dirais plus avoir joué contre une grosse équipe comme par exemple les Caterhambourg. Enfin, j'ai eu l'occasion de jouer contre une grosse équipe comme ça avec des gros joueurs américains comme Torazi, Parker, Bird. Et sinon, en jeune, ça reste quand même au moins 18 quand on a été championne, enfin 10 championnes d'Europe. Voilà. Ouais, et avec Paris 18, les titres de. Ouais, les titres qu'on a enchaînés. And that is right. Ah ouais, moi j'en ai un. J'étais avec Moonville en cadette, c'était pour se qualifier en Coupe de France, enfin pour la finale. Et on perd de 1 point contre Basketland. La fille, elle prend un shoot. Non, mais c'était comme on dit, les shoots à la Inch'Allah là. Tu shootes comme ça et on a perdu et franchement on était trop tristes. Je crois que ça c'était l'un des pires moments. Non, moi la seule chose que j'ai dû cacher à mes parents quand j'étais plus petite c'est mes notes. Un ouais. Peu quand on était... signé à leur place. Pas, que, voilà, les trucs comme ça, signé à leur place. Mais voilà, grosses avec... bêtises. Non, grosse, non, non. Je me faisais toujours attraper donc c'était pas caché dans tous les cas. Beyoncé. Beyoncé Knowles. Ah, Beyoncé Knowles. Parce qu'on la voit briller comme ça, mais je pense que. Dans l'intimité, ça doit être une autre personne. Ah, ça doit être une personne. Une personne. Waouh, Obama. Donc, ça serait peut-être la W, je pense. Ouais. Ouais, basketement parlant. Basketement parlant, ça serait. Ça serait ça. Bien. Ça serait vraiment un vrai truc. Ça serait un gros truc. Juste aller là-bas et tant que tu y es, déjà c'est déjà un grand truc. L'expérience américaine. Voilà, voilà, on n'a pas eu droit à cette expérience américaine là, enfin, par rapport à certaines qui sont passées peut-être par la NCAA, qui sont passées un peu par les States ou
qui ont fait un bond dans leur vie au state. Pourquoi pas, peut-être un jour. Et quand on leur parle, elles disent toujours la même chose, c'est un plus. Au niveau de la langue, au niveau du pays, au niveau du jeu. La culture basket. La culture. Elle est différente. Elle est totalement différente, donc ça donne envie en fait. Donc on se dit, on a raté notre chance en étant jeune. Pourquoi pas en pro? Et c'est un rêve. C'est là, en ce moment, c'est le Kogo. Ah oui. C'est Hot Nega. Ouais, le titre c'est Hot Nega, mais... Mais on sait pas. On sait pas, j'ai oublié le nom du chanteur. Hot Nega, je sais pas si tu vois. Ça, avec la danse comme ça. Ouais, avec la danse, ouais. Mais version nigérienne, parce que c'est... Ouais, la version c'est africaine, elle est trop marrante. Elle est marrante. And chewing on some hot nigga. Like I talk to Shai, see when I shot niggas. Like you seen them twirling.